Salut à tous, c'est Abdelkarim. Je vais juste faire une petite parenthèse, le meilleur pâtissier. Je sais qu'on a été très très nombreux devant la télé pour ce premier épisode. D'ailleurs, merci pour vos messages et vos encouragements, surtout quand on a eu le tablier bleu avec Sandrine. En tout cas, je compte sur vous pour qu'on soit encore plus nombreux ce soir pour la finale. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une recette de cheesecake Oreo. Ce qui est bien dans cette recette, c'est qu'il n'y a ni gélatine, ni chocolat blanc, et qu'elle est super rapide à faire, ce qui est pratique quand on a des invités de dernière minute. Top chrono garanti, en moins de 10 minutes, les cheesecakes sont prêts et réussis. La preuve en image, c'est tout de suite. C'est parti pour la recette. On va commencer par la base du cheesecake. Alors on va prendre nos biscuits Oreo et on va les réduire en poudre. Ensuite, on va ajouter le beurre fondu. Puis, on va mélanger le tout pour incorporer le beurre. Pour former les fonds des cheesecakes, on va utiliser soit des cercles à tarte, soit des emporte-pièces. Et on va venir répartir la préparation dans tous les emplacements des moules. Ensuite, à l'aide d'une petite cuillère, on va venir tasser le fond pour avoir une surface bien lisse et bien compacte. Dans une poche ou un sac congélation, on va concasser des Oreos. Ça va nous servir pour la crème. Pour préparer la crème, on place le mascarpone, la crème liquide et le sucre glace dans un saladier. Pour cette recette, pas besoin de robot ni de batteur électrique, l'huile de coude suffit. On continue à mélanger jusqu'à obtenir une crème qui se tienne bien. On ajoute ensuite le cream cheese ou fromage frais. Et on continue à mélanger pour l'incorporer. On va remplir une poche munie d'une douille avec un tiers de la crème. On va ensuite mélanger notre crème restante avec les brisures d'Oreo. On mélange vraiment un minimum, c'est juste pour incorporer les Oreo. On reprend alors nos fonds de cheesecake et on va venir les garnir avec cette crème Oreo. On va répartir la crème dans l'ensemble du cercle avant de venir lisser le tout. Ce qui est important, c'est de bien toucher les parois du cercle pour pas qu'il n'y ait de trous au démoulage. On va prendre un couteau le plus fin possible et on va le passer autour du cercle, ce qui va nous permettre un démoulage vraiment très facile. Là, on entre dans la partie des finitions, donc c'est toujours comme d'habitude, c'est un peu comme on veut. Moi, j'ai choisi de saupoudrer d'un peu de poudre d'Oreo. Ensuite, je viens pocher des pointes de crème nature sur le contour du gâteau. J'ai choisi une douille lisse, mais on peut prendre une douille cannelée ou une douille Saint-Honoré, par exemple. Et je termine enfin par un peu de poudre d'Oreo. Il suffit de mettre ces desserts au frais quelques minutes avant de passer à la dégustation. Je vous avais bien dit, c'est une recette hyper simple et hyper rapide. Si la recette vous a plu, mettez un gros pouce bleu et partagez-la avec vos proches. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !